Salut, c'est MegaDriver16 pour la suite des chroniques de Halo, toujours sur le jeu Halo Wars, comme on peut voir sur cette page de menu. Dans la campagne, nous sommes à peu près à la moitié, je dirais, de ce jeu Halo Wars, ce jeu de stratégie en temps réel, hein, qui était quand même une nouveauté dans l'univers des jeux Halo, qui était jusque-là que des FPS. Et donc, ce STR, réalisé par Ensemble Studio, nous en sommes à la campagne 7 qui s'appelle Scarab. Pour ceux qui connaissent l'univers de Halo, ça ne rappelle pas de bons souvenirs en termes d'armement Covenant, puisque ce sont d'énormes machines de guerre comme des sortes de scarabées très dangereux, hein, dont on avait fait la connaissance sur Halo 2. Arbiter, vous êtes bien silencieux. Quel souci trouble vos pensées? Yorak, je ne veux pas paraître impudent, mais vous m'avez chargé d'anéantir l'humanité tout entière. Une bien noble cause pour quelqu'un au passé si tourmenté. Oui, et je vous en remercie. Mais sire, vous m'envoyez rôder dans des ruines et fouiller des temples. En quoi cela m'aide à atteindre mon but? Pour vaincre les humains, il nous faudra bien plus de machines que nous ne pouvons en réunir actuellement. Je ferai avec ce qu'on a. Pour nous laisser sans défense? Non, les anciens nous aideront. Ce monde sera le berceau d'une flotte d'invasion au-delà de l'imagination. Suffisante pour écraser les humains, on n'a rien de temps. Mais ce monde est sans vie. C'est un néant. Blasphème! La clé sera trouvée à force de patience. Il y a peut-être un moyen plus rapide. La femelle humaine de la relique est moins ignorante que ses semblables. C'est avec la relique qu'elle a découvert cette planète, tout comme nous. Capturez cette femelle et ramenez-la moi. Ce sera fait. Vous êtes là où se trouvait le champ de force. Jetez un œil. C'était quoi ça? Ce scarab est inachevé, mais sa tête est opérationnelle. Sa portée de tir élimine tout espoir de retraite ou d'extraction. Il faut le détruire. Construisez une base et une armée. Et tuez ce scarab. Réacteur terminé. Ok. Eh ben donc, voilà, c'est parti. Hein. Pour ceux qui n'avaient pas le vu... Le rayon scanner du scarab indique son champ de vision. Les ruines de cette zone pourront servir d'abri. Mais pas très longtemps. Pour ceux qui n'avaient pas vu, donc dans l'épisode précédent, on avait trouvé un champ de force Covenant sur cette planète de l'UNSC, et on ne savait pas ce qu'il protégeait. Il protégeait un scarab, donc en cours de construction. Tiens, on va demander à ces unités de ravitaillement qui n'ont rien à faire. Oui, commandant. De prendre toutes ses ressources. Et donc voilà, ce scarab, il est en cours de construction. On est un petit peu protégé là par ses vieilleries, donc je ne sais quoi. Et on a vu dans la cinématique d'introduction ce qui était relativement intéressant, l'arbiteur qui parlait avec un des prophètes des Covenants, qui lui demandait pourquoi il n'était pas plus en action de ça plutôt que de s'occuper des reliques. Et en fait, le prophète, il station dit qu'il faut bien terminé. Récupérer les reliques des Forerunners, hein, ce qu'ils appellent les anciens, pour pouvoir battre les humains définitivement. Donc il a chargé l'arbiteur d'aller chercher, capturer la scientifique de notre équipe là, parce qu'elle pourrait lui en apprendre plus sur les ruines, les reliques Forerunner dont les Covenants sont si friands. Intéressant cette petite cinématique donc d'introduction. On a beaucoup d'énergie là, on va pouvoir se permettre. Là je peux pas avoir d'objet volant, ça m'embête un peu. Une armurerie. Un labo high-tech. Ouais, c'est dommage, on peut pas avoir de véhicule volant pour le moment.
Alors on va prendre des... On va se construire un dépôt de véhicules. Ici, on pourrait se construire un deuxième réacteur. Il n'y a pas de souci, on a beaucoup, beaucoup de ressources. On va améliorer considérablement toutes nos tourelles, la base. Réacteur amélioré. La base, elle est pas mal. Hein. Voilà. Tourelle mise à jour. Nos équipes, elles sont là. Tourelle mise à jour. Toutes les équipes réunies, c'est quoi? C'est un Warthog, le sergent Forge, deux United Marines. Alors, quelle est la différence entre ces deux tanks là? J'ai deux tanks. Ça, c'est quoi? Prêt à partir. Un rhinoplasma. Ah, j'ai un rhinoplasma. Et je dois avoir deux scorpions. Alors, j'ai deux rhinoplasmas, voilà. Et un scorpion. Pourquoi pas? Et donc, l'objectif, c'est quoi? Maintenant, c'est si on va regarder un petit peu le terrain. De ce côté, on a ce fameux scarab qu'il faut détruire. Mais là, si on s'approche, on va se faire défoncer par son rayon. Alors, on prend un peu de recul. On peut passer par où pour essayer de l'avoir? Est-ce qu'on peut contourner? Alors, on va demander... Prêt à rouler! Allons-y! Ah, mais il est tout seul quand je le sélectionne. Prêt à y aller! On va lui demander à lui... Réserve pleine et en route! D'aller par là avec le capitaine, avec le sergent Forge et l'autre Warthog là. En avant. Allez mon petit, qu'est-ce qu'il fait là? On part. Alors, qu'est-ce que cette équipe là? Prêt à rouler. Voilà, que j'ai sélectionné, elle peut passer par là. Ça nous permettrait de contourner un peu. Oula, qu'est-ce qu'on trouve là? Qu'est-ce qu'on débusque? Allez, dégommez-moi ça, ok. Sur la cible, cible en vue. Ouais, parce que c'est quand même de l'élite avec une épée de... Une épée laser, là. Ça, qu'est-ce que c'est? On a dominé. Ah non, j'ai un Warthog qui est mal, là. Unité locale. Oui, je vois la cible. Forge abattu. Ah merde. On a perdu Forge pour le coup. Bon ben là on va prendre cela. En position. Ils vont pas faire long feu je pense. Pour essayer d'aller réanimer Forge. Faites du bruit. Toi essaye de dégommer ce locuste là. Bon en tout cas nous de notre côté on va construire hein, parce que là... Détruisez ce locuste. Ils ne feront qu'une bouchée de nos structures. Obus explosif, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est le Cobra? C'est un anti-véhicule. Vous avez détruit un nœud d'alimentation. La tête du scarab pivote plus lentement. Allez, on va se prendre des Wolverines, c'est des nouveaux véhicules. Donc on a réussi à dégommer je ne sais quoi qui va nous permettre de ralentir la progression. De la tête du locuste, du scarab. Attention, là, il nous tire dessus ou quoi? C'est quoi ce laser? Ah bah ouais. En route. Allez, venez là, poussez-vous. Oh merde, on s'est encore fait abattre Forge. En avant. Allez le récupérer, les gars. Dépêchez-vous. Ah, il faut qu'on se mette derrière ces... En avant. Ah merde! Explosif. Je voulais mettre derrière ces petites protections. Donc mes Marines, je sais pas s'ils vont réussir à dégommer. Non, il en reste plus qu'un, il va avoir du mal. Les rapaces sont plus forts que lui. Bon bah écoutez, on va y aller à coup de tank. Hein. Ils en sont où mes tanks? C'est quoi ça? Superstation? Ouais, ça fait une superstation, ça va faire des ressources supplémentaires. Superstation, toi aussi. On va se commander. Station de ravitaillement, mise à jour. Ah, une tourelle mobile, tiens, ça pourrait être bien. Station de ravitaillement, mise à jour. Voilà, là, on a quelques véhicules sympathiques. On y va, on va réanimer Forge, là. Ici, ça va nous permettre d'aller où, de ce côté-là?
Ah ouais. Elle est ici, la tête du... La tête du scarab. Approchez-vous de Forge. Ben effectivement, c'est ce qu'on va faire. Avec ce cobra là, ou ce Wolverine, je ne sais plus ce qu'on a construit exactement. Forge de retour. Forge de retour. Unité locale. Allez, allez me dégommer ça là. En mouvement. Cible trouvée. Voilà, voilà qui est bien. On va aller se planquer derrière la structure. Qu'est-ce qu'on a construit d'autre là? Ah ouais, lui, il nous tire sur les défenses là, donc il faut se dépêcher parce que à force, elles vont plus être efficaces et ça va tirer directement sur notre... sur notre base. Donc on va se construire une grosse armée pour aller lui foutre sur la tronche. Hein. Définitivement, c'est ce qu'on va faire. Ici, on a dit qu'on pouvait se faire un grenadier. Non, les Warthogs, ils vont pas trop nous servir dans ce cas de figure. Ah mais je suis con, moi j'avais déjà des possibilités d'avoir des véhicules. Caserne terminée. Et la caserne, elle va nous engranger de la chair à canon. Scorpion, prêt à rouler. Voilà, on se fait 6 unités de Marines. Les scorpions sont là. Est-ce qu'on peut contourner par ici? Ils tirent où, là? Ah ouais. Marines déployés, chef. Ils tirent devant. On va vérifier... Est-ce que de ce côté, on est en train de construire aussi des véhicules. Tourelle mobile en attente, très bien. Marines prêt, chef. Allez, regardons un petit peu ce qui se passe de ce côté. En route. Marines prêt. Bien sûr. Double tir. Prêt. Ah tiens, on découvre un petit locuste ici. Marines prêt à y aller. Un autre deuxième locuste. Laissez-moi. Aucun problème. On ouais, attaque. Il est mort. Oui, commandant. C'est fait. Bien sûr. On découvre un petit peu le terrain, là, comme ça, avec notre petite équipe de choc. Deux scorpions, un Wolverine et le capitaine, le sergent Forge. En mouvement. Il est où, là, le scarab, il est ici. Où tient des chasseurs? Compris. Go devant la cible. Tourelle motorisée. Prêt. Là, ça canarde. Là, ça canarde. Tiens. Okay, ouais. Oh. Ouais. On y va. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a des tanks hein, avec un nous, donc. Même avec leurs chasseurs. Allez, tac, tirez. Ils sont du mal. On va les laisser se débrouiller. J'ai l'impression que le scarab, il peut pas tourner autant que ça avec sa tête. Là, il tire où, là? La tête du scarab tourne encore plus lentement. Continuez. Bon, ben, très bien. Unité locale. Là, j'ai toutes mes unités locales. On va aller par là-bas. Et peut-être qu'on va se construire autre chose dans la foulée. Engagement de l'ennemi. Allez, on se construit de nouveau... De nouveaux véhicules. Population maximum. Et la population maximum est atteinte, donc voilà, c'est bien. Et en plus de ça, un de mes héros est tombé. En tout mêlé. Compris, en la rotation de la tête est plus lente. Marine sans service. Coordonnées rechargées. J'ai l'impression base donc que. Grenade. Que Forge. Forge, il est pas bien là. Oh, il est là. On y va. Il peut se déplacer ou pas? On avance. Non, il peut pas se déplacer. Ils ont lancé une contre-attaque sur notre base. Marines, prêt à y aller. Bon, ben, ma troupe de Marines, là. Unité locale. Vous allez aller récupérer Forge. Parce Marines qu'il est pas bien. Déployé, chef. Engagement de l'ennemi. Il ne peut pas tirer dans deux directions à la fois. Utilisons ça à notre avantage. Voilà, j'ai une petite troupe qui va chercher
le capitaine Forge, le sergent Forge. Oui, ma deuxième... Commandant ? Forge de retour. Ah, Forge de retour, c'est bien ça. Wolverine au sol. Et Forge, il est où ? Il est là. Unité locale. Déchirez-les ! Abattez-les ! On va tirer là-dessus. Est-ce qu'on a une capacité spéciale ? Oui, un tir de canon AM. Tir de canon AM, prêt. Ouais, on lui a quand même bien tiré dessus. Est-ce qu'on a un autre groupe là, quelque part ? Unité locale. Eux, ils vont aller par là. Et après, ils vont lui tirer dessus aussi, sur le scarab. Unité locale. Explosez-les ! Est-ce qu'on peut refaire un tir de canon à M ? Forge abattu. Ah oui, Forge abattu, effectivement. Unité locale. On arrive ! Faut aller chercher ceux-là qui vont pouvoir tirer dessus pendant qu'il est occupé à droite. Grenade à mon commandement ! Voilà, on peut pas lui refaire de... Régénération prête, cible de guérison. On va lui refaire de coups de canon à IM là, qui vient de notre vaisseau mère qui est en orbite. Mais par contre, le Scarab il a une énorme barre de vie, hein. Regardez-moi ça. Unité locale. Allez, ben dégonnez-moi là. Forge il est toujours pas très bien. Ici on a quelqu'un là. Ah ouais. Qui va venir peut-être venir aider Forge. On se faire tirer dessus avant, regardez-moi comment ils se sont fait détruire par le canon laser. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste pas beaucoup de véhicules. Plus de ressources nécessaires. On va construire des tanks supplémentaires. Unité locale. Tire de roquette ! Et là, on s'en va. C'est le moment de se barrer parce que le canon IM, il arrive. Tout de suite ! On y va ! Faites du bruit ! Où est-ce qu'il peut venir sur nous ? Compris, en mouvement. Oh, merde, ils sont en train de dégommer mon... On y va. Scorpion ravitaillé est prêt. Ah ben, ils m'ont tout dégommé, là. Ok, sympa. Bon, ben, on va lui faire un petit coup de canon EM. Non, c'est pas possible, il faut que ça se recharge, mais bon. Il a pris cher, hein, il est presque à la moitié, on va dire. Allez, on va revenir à notre base. Et revenir à notre base, bon, pour le moment, les défenses, là, elles tiennent le coup, hein. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir continuer à construire. Bah, d'ailleurs, de ce côté, j'ai rien demandé encore. Scorpion, en route. On va faire quelques unités de Marines. Pourquoi j'ai pas de Spartan, là, d'ailleurs ? Marines en service ! Sur cette mission en particulier, je n'ai pas la possibilité de faire des Spartans. Marines prêts, chef. Alors. Où ça ? Lui, on va le mettre en protection. Scorpion prêt à rouler. En protection. Par ici, tiens. En route. La chasse! Bombardez! Je suis là! Cible verrouillée! Solution de tir! Vous voyez, là, je suis en train de me frayer un passage et on va essayer d'attaquer de plusieurs endroits différents cette tête de scarab qui fait énormément de dégâts. Le scarab tourne encore plus lentement, continuez. Je sors! Allez, viens ici, tu viens de planquer ici. Même ici, ce sera encore fait, mieux. Et c'est parti. Si cet engin balaye cette barrière de ruines et détruit notre centre de commandement, on est mort. Oui, mais il y a encore de la marge, t'inquiète pas. Alors là, on va en prendre... Oui, commandez-nous un ordre. Là, on va en prendre une bonne petite partie. Enfumez-les. Et on va les amener de ce côté où il est le rayon. Idée pour le moment, le rayon il est là, ok. On devrait
devrait pouvoir se protéger. C'est parti. Si on se met ici. Après, j'ai envie de faire venir des Marines. Non, j'en ai pas. Unité locale. J'ai pas de Marines. Eux, on va les mettre en protection de ce côté. Des Marines, je peux en avoir ici. Allez, 5 unités qui vont aller chercher Forge. Marines, prêts! Là, regardez, on est bien en position. Marines, prêts à y aller! On en a 2 ici. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, c'est moi, tour défensif pour l'infanterie. On va les éjecter. Ouais, c'est moi qui avais cette petite garnison de Marines ici. Marines en service. On va aller se protéger, voilà. Marines prêts, chef. Eh bien les gars. En position. Quand vous voulez. Coordonnées reçues. Il tire sur qui là? Ah, il tire sur des défenses, ses propres défenses. Est-ce que là il peut dégommer notre char? Ah oui, il peut le dégommer. Non, non. Allez, protection. Bah là, on commence à être en bonne position. Unité. Tous nos Marines, on va les amener. Chercher Forge. Et Forge, il est où? Il est là. Oui, chef. Prêt à y aller. Lui, il va aller taper là-dessus. En ligne et en avant. Forge maintenant. De ces Marines, ils vont en passer avant. Par là. En avant. Il allait aussi. Compris, en mouvement. Unité locale. C'est parti. Où il va ce canon laser là? En route. Allez, dégommez-moi tout ça. Je suis là. Toutes les unités. Toutes les unités. Et en plus, on va lui mettre un petit coup de canon IM. Lancement du canon AM prêt. Le scarab est à moitié mort ou à moitié vivant. À vous de choisir. Unité locale. Toutes les unités sur le scarab. Allez. Ah, je pense que c'est bon. On y est presque. Le scarab. Regardez-moi cette puissance de feu dégagée. Utilisons le canon AM pour défendre notre base ou détruire les nœuds d'alimentation. Oh, encore un héros tombé. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, là, le scarab il est mort. Et voilà. Facile. Je vous avais dit qu'on y arriverait. Base attaquée. La mission est réussie. Ça fait plaisir, regardez-moi. Ce qu'ils étaient en train de construire gentiment. Le scarab est détruit. Nous avons réussi. Sous leur dôme qu'on avait dégommé à la mission précédente, eh bien effectivement, ils construisaient cette arme de destruction massive qu'on a déjà eu l'occasion de croiser dans Halo 2 pour la première fois, puis Halo 3, et puis peut-être après dans d'autres, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, cette arme monstrueuse et emblématique des Covenant était présente ici en cours de construction. On y a mis fin, donc c'est la fin de cette 7e mission. Je vous dis à plus tard pour la suite des chroniques de Halo sur Halo Wars. À plus tard !